Bonjour les amis, ou rebonjour si vous avez regardé la guidance auparavant. Alors, je viens faire le tirage qu'on m'a demandé, c'est-à-dire la dissolution de l'assemblée. Ah, bon. Alors, eh bien, on va tirer quelques messages déjà. On va demander au monde invisible, on va demander aux énergies et on va demander à la réponse angélique, peut-être, puisqu'il y a le oui, il y a le non, voilà. Puis après, on va faire un petit tirage, d'accord? Voilà. Bon. Je ne sais pas quel est votre pressentiment à vous. Moi, en tout cas, je trouve ça bizarre, puisque ce qui voudrait dire qu'il donne la voix au peuple, et c'est pas du tout dans son tempérament, c'est pas du tout son style. Vous savez très bien que c'est lui le chef et que les autres n'ont qu'une chose à faire, c'est de poète poète camembert, c'est-à-dire bouche cousue et scotché, voilà, pour être sûr que. Mais pourquoi pas? Puisque nous arrivons à la fin du film, on a vu ça dans la guidance aussi, nous arrivons à la fin du film, et que la dissolution ferait peut-être aussi démissionner notre cher et tendre Pinocchio, ce qui ferait que on n'aurait pas besoin d'inventer n'importe quoi pour son départ. Le départ de l'acteur, soyons clairs. OK? Donc, moi, je laisse mon pressentiment, tout, moi, je m'en fous. Hein. Personnellement, voilà quoi. Je ne suis pas du tout politique, hein, je fais vraiment des tirages politiques pour, à votre demande et bon, pour essayer de voir. Donc, je précise tout de suite avant que je me fasse attaquer. Que ce n'est qu'un tirage de cartes, que nous allons voir aujourd'hui ce que les cartes veulent nous dire, d'accord? Que c'est mon interprétation à moi, bien sûr j'ai le droit à l'erreur puisque je ne suis pas Dieu, je ne suis pas divin, hein, je ne sais pas tout, voilà. Donc voilà. Mais pourquoi pas? Ah, ben voilà, il y a encore un chat là devant. Et là, c'est un gris. Mais ça va plus s'arrêter. C'est abominable. Bon. Alors, écoutez. Voilà. On va commencer par voir ce que le monde invisible veut bien nous dire. D'accord? Donc, s'il vous plaît, le monde invisible, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette dissolution de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'elle aura lieu? Est-ce que la question de l'Assemblée nationale aura lieu? Donc, est-ce que vous pouvez me dire si l'évolution de l'Assemblée nationale aura lieu? Oula, alors là, il y a beaucoup de messages, je ne sais pas si je vais prendre tout ça, hein, parce que bon. Alors, ici. Alors. Les mondes invisibles, changement de conscience, éveil, perception extrasensorielle. Bon, on voit quand même que vous voyez, les consciences vont changer, hein, il y en a quand même qui vont s'éveiller, d'accord? Le voyage sacré. Introversion, chercheur, connaissance de soi. Ici, on a l'offrande. Présent, honoré, offrir. On a l'île aux merveilles. Révélation, enseignement et découverte. Ah, vous voyez. Le miroir. Autre vie, vie antérieure, vie multidimensionnelle. Et l'art de la méditation, paix, soulagement, sanctuaire. Bon, moi, quand je vois ça, je pourrais être tentée de dire que oui, hein, et que de toute façon, qu'est-ce qui nous ramènerait la paix? Ici, c'est les révélations, hein?
Bon, pour l'instant, on nous dit quand même de vivre au présent. D'accord? Mais bon, vous voyez ici avec le miroir, hein, autre vie, il est possible qu'il passe à autre chose, voilà. Mais peut-être aussi qu'il faut regarder dans les vies antérieures, hein, peut-être que de ce fait-là, c'est déjà noté quelque part, hein, ok? Mais ce qu'il faut surtout retenir aussi, c'est ici, hein, le changement de conscience et l'éveil, d'accord? Donc, bon, il est possible, hein, qu'il y ait des députés, hein, qui s'ouvrent enfin leurs yeux, et de toute façon, ils sont quand même assez nombreux, hein, à ne plus être en accord avec notre cher et tendre Pinocchio. Hein? Bon, on est d'accord là-dessus? Je pense que jusque-là, je ne dis pas trop de bêtises. Allez, une petite carte des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire si il va y avoir une dissolution à l'Assemblée nationale? Alors ici, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, moi sur ma chaîne, hein, sur ma chaîne, donc ici je fais un tirage pour mes abonnés ou pour ceux qui me regardent, hein, voilà, voilà. Bon, c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc le projet qui nous tient à cœur, je crois que c'est le changement, d'accord? Qu'on retrouve la paix, que il y ait du changement positif. Bon, voilà, on est bien d'accord, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez encore un autre message à nous donner concernant cette dissolution. Alors ici, on a la carte de l'apprentissage. Hein. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bon, ici, moi, je dirais quand même que vous savez que des gens, hein, on le sait, on l'a vu et ça a été prouvé puisque les résultats ont été donnés bien avant le résultat réel à la télé au pourcentage exact. Hein, voilà. Donc on sait que voilà, déjà, il y a eu FRAUDE, ok, voilà. Et ici, vous voyez, on voit bien avec l'apprentissage, hein, c'est qu'il faut tirer des leçons du passé. Bon. Vous savez, la fraude ne peut pas durer éternellement, d'accord? Vous savez que la vérité prend l'escalier, les mensonges, l'ascenseur, il en est de même pour ce phénomène de trafic. Okay? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que même si il y a des gens qui ont voté pour lui, ils n'ont pas voté en accord avec son plan. Enfin, c'est son, je sais plus comment on dit. Vous voyez, moi, je suis pas du tout politique. C'est pour ça que c'est compliqué de faire des tirages. Hein. Voilà, je l'avoue. Ces gens m'exaspèrent et voilà, je ne peux pas. Oui, son programme. Merci, Mélide. Donc, les gens, même ceux qui ont voté pour lui. Je parle de personnes comme nous, hein, d'accord? Même ceux qui ont voté pour lui, c'était parce que ils avaient peur, ils étaient dans la peur de voter la dame, d'accord? Voilà. Donc ici, on voit, hein, que les gens vont s'éveiller, d'accord? Ils vont comprendre, hein, voilà, parce que vous voyez, il y a ce changement de conscience. Voilà. Donc, ils vont tirer des leçons de ce qui s'est passé. D'accord? Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce que voilà, hein, c'est ça le truc. D'accord? Bon. Alors, on va demander à la réponse angélique. S'il vous plaît. Est-ce qu'il va y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale? Il va y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale.
Est-ce que vous voudriez bien me répondre? Est-ce qu'il va y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale? Bon, j'ai, si vous y croyez, d'accord? Donc, et si vous restez positif, d'accord? Si vous croyez, si vous croyez que, voilà, on va voir, hein? S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me dire qu'il va y avoir une dissolution de l'Assemblée? Alors, vous voyez, encore une fois, hein, là, ce n'est pas moi qui le dis. Vous ne pouvez pas m'accuser, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Si on y croit, hein, voilà. Donc c'est possible, mais vous voyez, regardez, il va y avoir un compromis, encore une fois. Compromis, encore une fois, d'accord? Donc du chantage. Pour moi, un compromis, c'est ça, c'est du chantage. Bon, moi je vais prendre mon gros jeu, puisque mon gros jeu a été créé pour ces situations-là, hein, voilà. Et puis au moins, vous voyez ce qui est marqué dessus. Donc voilà, s'il vous plaît, concernant la dissolution de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, ici on a le jardin et le soleil, hein, d'accord? Bon, le jardin, c'est l'ami fidèle, c'est les relations sociales, hein, voilà. C'est vous êtes bien entouré, et le soleil, c'est l'énergie positive. La clarté, la chaleur et le succès. Bon. Est-ce qu'il va y avoir, s'il vous plaît, une dissolution de l'Assemblée nationale? Bon. Vous voyez ici, on a la carte de l'envoûtement, la destruction, les blocages, hein. Et on a vu ici, avec le compromis. D'accord? Donc, il va encore y avoir du chantage, hein. Ok? Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'il va y avoir... Alors, ici, chez les volcans. Bon, ça va... comment vous dire? Y a quand même des choses qui vont exploser. D'accord? Alors, ici, on a une jeune fille. Je ne sais pas si dans les députés, il y a une jeune fille. Hein, je ne sais pas. Hein. Quelqu'un de jeune, voilà, trentaine d'années. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il va y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale? Bon, il y a beaucoup de doutes là-dedans, d'accord? Pour l'instant, c'est encore incertain, et pour l'instant, ils hésitent encore beaucoup, d'accord? Ils craignent certaines choses, d'accord? Et il faut se méfier de ça, hein? Alors, s'il vous plaît. Alors, ce qu'il faut savoir aussi de ce qu'on m'a dit, c'est que apparemment, à l'Assemblée nationale, là, voilà, les partis n'ont pas encore eu l'argent qu'ils reçoivent. D'accord? Ce qu'on va expliquer vite fait, parce qu'il y a quelqu'un qui a reparti, je ne sais plus qui. Il m'a dit d'aller le voir, mais moi non, j'ai pas du tout envie d'aller voir ce monsieur. Donc en fait, il parlait de ça, donc je sais même plus son nom, je sais même plus qui c'est. Voilà. Donc il disait que, ben, en fait, ils n'ont pas encore eu leur argent, d'accord? Ils ont dû avancer l'argent pour la campagne, je ne sais pas quoi, et qu'ils n'ont pas encore eu leur argent. Donc bon, faut se méfier quand même, hein. Peut-être que c'est justement pour pas leur donner leur argent, j'en sais rien, moi je ne sais pas du tout, voilà. Allez, t'as un peu bafouillé parce que moi la politique et moi, alors là, franchement, moi sans politique, je vis très bien. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il va y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale? Bon, écoutez, moi avec cette carte ici, je dirais que c'est possible. D'accord? Regardez, parce qu'on a la carte de la réussite. La carte de la réussite, c'est un nouveau départ. C'est passage à une vie meilleure. Donc, je vous ai dit, de toute façon, il faut faire tomber ça. Hein, voilà. Ce n'est plus bon du tout. Hein, et il faut aller vers quelque chose d'autre. Bon, donc, on va continuer à tirer nos cartes et on va voir la suite. S'il vous plaît, y aura-t-il une dissolution
Et les cartes ne parlent pas comme d'habitude, hein, ils ont du mal. Mais bon, on a vu ici hein, que pour l'instant, c'est encore incertain. D'accord? Mais bon, écoutez, moi je dirais que c'est possible. Attention, hein, parce que ici, vous voyez, on a la carte du puits. Le puits, c'est on ne contrôle plus rien, on ne peut plus maîtriser. D'accord? On tombe, on s'enfonce. Ce qui veut dire que Pinocchio, de toute façon, il sait que ben, il n'est pas à sa place, hein, voilà, et que de toute façon, il ne va pas arriver à contrôler. Ah, pourquoi j'ai des cartes de retourner? Je ne les ai pas vues se retourner, d'accord? C'est certainement parce que quand je démarre, je regarde bien si mes cartes, et en plus je les purifie tout le temps avant. Donc, mais je ne les ai pas vues retourner, donc je ne sais pas où ça va. Donc, je vais les remettre à l'endroit. On va pas les prendre, on va redemander. Par contre, on va prendre celle-ci qui est tombée. Hein, voilà. Donc, je disais quoi? Bon, de toute façon, il sait très bien qu'il est plus crédible, il sait qu'il n'est pas à sa place. Il sait que de toute façon, tout film a une fin. Hein, d'accord? Voilà. Alors, vous voyez, regardez, ici, on a quand même, voilà, une amélioration. Vous voyez? Un projet qui avance. Donc, il y a une avancée là-dessus. Hein? Allez, on recommence. S'il vous plaît, ceci est venu. Que pouvez-vous nous dire par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale? Bon, on va récolter ce qu'on a semé. Hein? Bon, ici, pour moi, la récolte avance, d'accord? Il est plus, il arrive plus à maîtriser, il arrive plus à être le grand chef, hein, voilà. Donc, il est possible qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui fera vraiment avancer les choses, d'accord? Mais n'oubliez pas hein, qu'il va quand même essayer de bloquer cela, hein, ok? Alors, allez, s'il vous plaît, on se concentre. S'il vous plaît, les cartes, est-ce que vous pouvez nous dire si il va y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale? Quand je tiens les vides, donc, Cendrillon. Alors, on a l'homme, vous voyez ici l'homme. Hein. On a le mensonge. Bon, le mensonge, hein, vous voyez, hein, c'est Pinocchio. D'accord? L'homme, ici, c'est moins de 65 ans, donc certainement qu'on parle de lui, hein, vous voyez. Bon, il maîtrise plus rien, d'accord, voilà. Et bon, on a l'ennemi, ok. Donc, ici, regardez, voilà. Hein, la dissolution de l'Assemblée générale, vous voyez, c'est, voilà, ce nouveau projet, hein, ce nouveau projet contre cet ennemi. Dans la sagesse, donc il faut faire les choses bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il sait qu'il ne maîtrise plus rien, il sait qu'il ne peut plus y arriver, il sait qu'on veut plus de lui. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est peut-être le nouveau projet qui se passe aussi dans l'invisible, hein, d'accord? L'aide qu'on a, hein, d'accord? Parce que regardez, ici, on a la bénédiction. D'accord? Alors. Ce nouveau projet bienveillant, hein, voilà, ramènerait un équilibre, hein, d'accord? On voit ici la balance, elle est équilibrée, hein, d'accord? Et c'est vraiment pour nous protéger, hein, vraiment pour nous protéger de cet ennemi. Écoutez, moi je dirais bien que c'est quand même possible, hein, d'accord? Moi, je dirais why not? Why not? Ça serait quand même, vous voyez ici, quelque chose de positif, hein? D'accord? Ouais, bon, écoutez.
C'est possible. Ah, je ne sais pas du tout si nous, on a une femme députée, 30 ans Mexique, hein? Attention, hein? D'accord? Voilà. Mais oui, moi, je pense que ça nous aiderait, hein? Voilà. C'est la réussite pour aller vers quelque chose de nouveau, vous voyez? Nouveau départ, hein? Passage à une vie meilleure, d'accord? Voilà. Parce que l'homme, hein, de toute façon, il ne veut plus rien contrôler. Il fait comme il veut, hein? Il fait qu'à sa tête, hein? D'accord? Voilà. Donc, pour nous, ça serait une progression, ce serait une avancée. Et on voit que ce serait une récolte positive, d'accord? Sur cet homme menteur qui est notre ennemi, hein, qui nous trahit tout le temps, d'accord? Maintenant, pourquoi pas, pourquoi cela ne serait pas prévu par ce qui se passe en coulisses? D'accord? Afin de l'éliminer gentiment et que tout ne soit pas su. D'accord? Est-ce que cela n'est pas non plus une forme de nouveau projet sage pour éviter la tempête, hein? La tempête, d'accord? Est-ce qu'on va encore ressortir quelques cartes? Ben oui, on me dit encore un petit peu. Alors, s'il vous plaît, ce qu'il pourrait. Ben oui, parce que regardez le peuple, de toute façon, je vous le disais tout à l'heure, le peuple, c'est les revendications, c'est l'opposition, d'accord? Bon, écoutez, si il y a cette destruction, cette dissolution, ça voudrait dire qu'il nous donne à nous le pouvoir de revoter. De faire quelque chose de. Alors, pourquoi pas? Puisque cette fois-ci, peut-être que les votes seraient surveillés et qu'il ne pourrait plus y avoir de FRAUDE. D'accord? Et en faisant cette dissolution, ça voudrait dire que c'est nous qui trancherions. Et ici, on sort bien le peuple. Donc, voilà. Alors, s'il vous plaît. Alors, ici, on a la mort et ici, c'est vraiment l'être. Alors, moi, ici, voilà, j'ai la mort, hein, donc être humain qui décède, mais moi, je ne dirais pas ça. Moi, je dirais vraiment que c'est sa fin, hein, lui. On voit ici, homme, mensonge, Pinocchio, ennemi. Qui ne maîtrise plus rien, d'accord? Le peuple est contre lui et c'est la fin pour lui, d'accord? Alors moi je dirais pas que va décéder, c'est de toute façon c'est déjà fait, mais que ça serait le départ obligatoire. Hein, dans la bienveillance, dans la sagesse, d'accord? Voilà, moi, ce que je vois. Hein. Alors, ici, on a quoi? On a les amis, les parents, le verdict, hein, d'accord? On voit ici le peuple, tout le monde, le peuple au complet, d'accord? Qui s'unissent, hein, pour, dans la bienveillance, dans l'amour, hein, ok? Et qui prennent la décision de détruire, hein, de détruire ce gouvernement. Hein. Bah oui, hein, les amis. Hein. Bah oui. Hein. Bah oui. Bah donc, ce qui fait que ce serait la solution pour que pour éviter ce qui se passe en Ukraine et tout ça. Hein. Moi, personnellement, je le sens bien. Moi, je dis oui, c'est ce qu'il faudrait et c'est ce qui risque d'arriver. Bon, je fais ce tirage aujourd'hui, hein, voilà. Aujourd'hui, donc, 18h10, dimanche, voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Pour quand est prévue cette dissolution, hein. Moi, vous m'avez demandé
de regarder si je pouvais faire un tirage là-dessus. Voilà, je le fais. Moi, je dis que c'est bien parti et que ça serait pour éviter ce qui se passe en nuque-nuque. D'accord? C'est vraiment pour nous protéger. La bénédiction, hein, ne l'oubliez pas. D'accord? Voilà. C'est malsain, hein, tout ça, d'accord? Et il faut détruire tout ça, hein, de toute façon. Il faut le bloquer dans ses projets. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que on peut avoir un petit peu de complément? De toute façon, n'oubliez pas l'armée, hein, les amis. Hein. Moi, je vous dis ça comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Mais bon, voilà, quoi. Allez, s'il vous plaît, vous savez que ce jeu ici, hein, voilà, c'est moi qui l'ai créé, d'accord? Avec les messages de mes guides. Et que vraiment, je m'en sers, hein, quand on a besoin, je m'en sers beaucoup parce que j'aime beaucoup avoir, et c'est pour ça que je laisse tomber les cartes, j'aime beaucoup avoir les messages que mes guides me disent devant vous. Hein, voilà, comme je ne fais pas de canalisation, tout ça en direct devant l'écran parce que ça me perturbe, voilà, je préfère me servir de mon jeu de cartes pour que mes guides vous disent à vous et à moi les choses qu'ils ont à nous dire. D'accord? Donc là, ici, ils nous disent bien qu'ils s'enfoncent, d'accord? Que de toute façon, il essaye de tout détruire, mais de toute façon, voilà, il y a les blocages, hein, qu'il y a vraiment un nouveau projet pour que tout se passe bien. D'accord? Voilà. Mais de toute façon, il y aura des déclarations par rapport à ça. S'il vous plaît, est-ce que il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale? Alors, ici, on a quoi? On a la mort, encore une fois, hein. Bon, ça peut dire la fin, hein, d'accord? Donc la fin. Hein. Attention, hein, je ne prédis jamais. Je ne veux pas, hein, d'accord? Même, vous avez vu quand on a fait le tirage de la semaine et que j'ai vu la mort de la REINE, là. Bon. Je patouillais un peu dans ce que je voulais dire. Moi, j'ai vu ce départ, mais je ne voulais pas l'annoncer comme ça. Mais on avait bien vu, femme, décès, nanana, hein, d'accord? Bon, mais quand même, je fais attention à mes dits. Donc ici, vous voyez, c'est la mort, c'est la fin. La fin de l'union, hein, d'accord? Voilà. Pour nous protéger, il faut cette rupture. Il faut cette rupture, mais dans la sagesse, les amis, vous voyez, ne pas partir. En vrille, hein, faut pas non plus, voilà, ok. Donc moi ici, écoutez, je dirais que oui, c'est la fin, c'est pour mettre fin à quelque chose, en tout cas, fin à l'union, voilà, pour nous protéger, hein, et la seule protection qu'on pourrait faire dans la sagesse, c'est cette rupture, ok. Alors s'il vous plaît, oh là 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 là. Hein. Bon, écoutez, c'est parce que vraiment, on veut nous dire quelque chose. Bon, écoutez, la fin de cette union avec l'ennemi, je suis désolée les amis, hein, je vous montre bien la carte, hein, ennemi, d'accord? C'est pas moi, hein, c'est pas moi. Bon, les efforts, bon, faut se protéger, d'accord? Encore faire quelques efforts contre cet envoûtement, hein, donc vous voyez, contre ces choses malsaines, hein, il faut cette rupture, d'accord? C'est vraiment malsain, il faut couper, hein, voilà. On a le départ. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous dis. L'ennemi va être bloqué, d'accord? Donc, là, il essaye encore de continuer et tout ça, mais on va lui demander aussi de faire un effort et de s'en aller. Donc, et ça, je vous l'avais dit dans mes prédictions d'il y a 3 ans, les amis, ou 2 ans et demi. Je vous avais dit, on vous fera croire à son décès, ou on lui proposera quelque chose ailleurs et on dira qu'il démissionne. Je vous jure que je vous l'avais dit, il faut regarder mes vidéos, d'accord? Voilà, mais c'était prévu comme ça. Donc là, on lui demande de faire un effort, hein, voilà. Il est bloqué, il y a le départ. Le départ qui sera un cadeau, hein, voilà. L'attente, fidélité,
l'univers, bloqué. Voyez. Bon, alors, moi, je vous disais justement tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi est prévue cette dissolution, mais bon, peut-être qu'il veut mettre ça en place cet hiver, d'accord? Puisque ici, on nous dit d'attendre, de rester fidèle, hein, voilà, hiver, donc jusqu'à cet hiver où il faut attendre, de toute façon, il est bloqué. Regardez, ça va se stabiliser, d'accord? Par rapport au choix. D'accord? Un choix qui va ramener des émotions, hein. La lune, c'est ça, hein, c'est les émotions aussi, d'accord? Ou alors, non, voilà, hein, pas pour moi, d'accord? Mais bon, regardez, c'est la fin de cette union. Alors, je m'excuse, hein, si vraiment j'ai tort, hein, voilà, mais vous voyez bien que les cartes parlent d'elles-mêmes, ok? Voilà. Et tout parle de ça, hein. On a quand même la rupture, hein. Donc écoutez, voilà, hein. Et l'ennemi, qui veut baisser les retraites, qui veut faire encore travailler les gens plus longtemps, je crois que c'est lui, hein. D'accord, c'est nécessaire, hein. C'est un cadeau, vous voyez, c'est un cadeau pour ramener une stabilisation dans ce monde, nous n'avons pas le choix. Voilà, ça se passe comme ça. Moi, je dirais que c'est prévu, hein, c'est prévu comme ça, voilà. Et moi, je crois vraiment, et je vibre, et j'y crois, et voilà, c'est par rapport à mes prédictions d'il y a deux ans et demi. Mais vous êtes libre de croire ou pas, voilà, ce n'est plus le vrai, d'accord? Et il faut mettre fin à ce film, parce que les vérités sortent, et que... maintenant, c'est visible, quoi. C'est visible. On peut le voir, d'accord? Regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. Vous voyez, regardez. C'est vrai, ça va vraiment être quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce que je sors. La clé, la solution, hein? Sur le mariage. Donc, le mariage, ici, on parle de... On parle de comment ça s'appelle? De partie, hein? D'accord? Voilà, ici, hein? Il y a quelque chose qui va se passer d'extraordinaire dans les parties, là. Ici, les parties, gouverneuses, voilà, qui va ramener la solution. La solution, regardez, la nourriture, ok, et la jeunesse. Vous voyez, donc, voilà. Ça va être un festin, ok, voilà, et ça va redonner un coup de neuf, d'accord? Il faut du neuf là-dedans. De toute façon, libre à vous de le croire ou pas, nous avons des acteurs et plus aucune personne n'est la vraie personne. Souvenez-vous qu'une fois, j'avais eu des messages de mes guides qui m'avaient dit « plus aucune personne n'est le vrai bonhomme », hein, enfin un truc comme ça, voilà, plus personne n'est là, enfin, je sais plus, enfin voilà, un truc comme ça, et on voit ici, hein, voilà, on voit ici que, vous voyez, regardez, c'est tous des gens masqués, hein, c'est tous des gens masqués, d'accord, écoutez, moi, je pense, alors je serais d'avis de vous dire oui, hein, oui, 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 oui. Parce que ça va être quelque chose qui va ramener la solution. Voilà, ça va être extraordinaire, mais ça va être la solution, ça va être la clé au problème. D'accord? Ça va ramener la stabilisation, hein, ça va être un cadeau, d'accord? Moi, je dis oui, mais par contre, voilà. Alors, je ne sais pas quand elle a lieu, si vous savez, parce que j'aurais pas le temps d'aller regarder, puis qu'on fait, ça, je m'en fous, parce que moi, ça me prend la tête. J'en ai déjà assez avec les trolls, donc voilà. Par contre, voilà, il faudra peut-être attendre cet hiver, d'accord? Donc, il y aura peut-être, on est déjà en automne, hein, donc ça passe vite. Donc, il y aura peut-être la dissolution, voilà. Mais, vraiment, pour se débarrasser ce cadeau-là, hein, d'accord, ça, la dissolution, là, ramènerait déjà un petit peu de stabilisation, d'accord? Mais pour recevoir ce cadeau-là, il faut peut-être attendre cet hiver. Ça veut dire sa démission
ou vraiment le pouvoir de l'éliminer, hein, voilà, de sa place, tout simplement. On a quand même, regardez, hein, vous pouvez regarder, on a la carte du départ en plus, hein, d'accord? Donc, écoutez, quand même, ça fait beaucoup, ça m'étonnerait que je me trompe, hein, les amis, d'accord? On a ici la mort. On a l'ennemi. On a la fin ici de l'union. La mort et l'union. D'accord? Donc on va plus. Voilà, quoi. Ils vont mettre fin. L'Assemblée générale, pour moi, va mettre fin. Elle ne va pas être d'accord. Vous voyez, elle va couper court avec lui. Elle ne va pas être d'accord. Avec ses ordres, d'accord? Bon, vous savez, hein, il n'y a que lui qui commande, il décide tout seul, n'écoute personne, hein, voilà, c'est lui le chef, c'est lui le patron. Faites ce que je dis et fermez-la, hein, ben non, mais ça c'est vous aussi, voilà. Donc voilà, restez positif, hein, voilà. Mais vous voyez, c'est un truc de, il y a un compromis là-dedans. Et donc c'est moi, pour moi ici, c'est le compromis que j'ai vu. Voilà, je vous ai dit, voilà, il va partir, on va lui trouver un autre plan et tout ça, voilà. Et je vous dis, pour moi, le film est terminé, les amis. C'est la fin pour cet acteur. Je précise bien cet acteur. D'accord? Alors, insultez-moi, faites ce que vous voulez, je m'en tape, les cacahuètes, les sérieux, je m'en tape, je m'en fiche. Moi, je vous donne les messages, hein, que je reçois, d'accord? Vraiment, bah, écoutez, moi, je crois que ça va être la solution. En plus, on a sorti la clé, hein, comme vous le voyez bien, ça va être la solution au problème. Et je vous l'ai toujours dit, on essaye de trouver des plans pour pas que ce soit trop chaotique. On essaye de trouver des solutions pour que le peuple s'en sorte sans trop de dégâts, hein, voilà, sans trop de vérité à dévoiler parce que bah, beaucoup de monde ne supporterait pas de savoir les vérités. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de retard, hein, que c'est lent, je le sais bien, c'est lent. Mais bon, voilà, il faut prendre pitié des petits cœurs, hein, de protéger les petits cœurs des gens qui sont dans le déni. Hein, d'accord? Voilà. On va demander à nos anges peut-être un petit peu, voilà. N'hésitez pas, hein, si vous voulez que je fasse un tirage sur quoi que ce soit ou un truc comme ça, de me mettre vos demandes en commentaire, hein, sous les vidéos, d'accord, voilà. Sous la dernière, hein, c'est bien, donc sous celle-ci. Voilà. Alors, s'il vous plaît, les anges, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette dissolution de l'Assemblée nationale? Y aura-t-il dissolution de l'Assemblée nationale? Alors ici, j'ai quoi? Bonne volonté. Approche la vie avec entrain, l'esprit ouvert, avec l'attitude positive du comment ça va marcher. Utilise ta volonté à bon escient pour encourager le processus créatif plutôt que de le freiner. Vous voyez ici, il faut vraiment être positif, d'accord? Si on est positif, eh bien oui, voilà, si on est positif, écoutez, ça ne peut que marcher, d'accord? Patience, sois totalement disponible au présent et porte ton attention sur ce qui est en train de se passer maintenant. Voilà, laisse-toi couler dans le flux de la vie et le discernement. Utilise l'acuité de tes perceptions pour faire des distinctions claires et des choix sages. Avance en ayant confiance en ton guide intérieur. Bon,
Bien, écoutez, il faut être encore patient. On a sorti la carte de l'hiver. Alors, est-ce que ça va arriver cet hiver ou est-ce que c'est les blocages? Moi, je dirais que ça va plutôt arriver cet hiver. Voilà. Mais approche la vie avec entrain. D'accord? Avec une attitude positive. Utilise ta volonté de à bon escient pour encourager le processus créatif. Donc, ce qui se prépare, d'accord? Plutôt que de le freiner. On ne peut plus rester dans cette vie-là. N'oubliez pas quand même qu'on va essayer, cette fois-ci, de plus vous chauffer ou des choses comme ça. C'est plus possible. C'est pas possible. Respect, cultive l'écoute profonde, agis de manière à reconnaître et à honorer chacun, toi-même et les autres, comme tout ce que tu vis, tout ce que tu vis, chacun est important, reconnais, honore et suscite le meilleur, voilà, vous voyez, et la célébration. Prends le temps de reconnaître et de savourer ce qui est important pour toi et honore-le par des festivités. Réjouis-toi, amuse-toi et prends plaisir à la fête. Vous voyez, voilà. Bah écoutez, pour moi, on pourra célébrer cette fête. Ça va être la solution au problème. Voilà. Et vous voyez, les amis, quand je vous disais de ne pas avoir peur et tout ça, hein, voilà, eh bien, on y est. Hein, on y est. D'accord? Je vous avais dit, hein, de faire confiance, qu'il y avait des gens qui travaillaient dans l'ombre et tout, mais vraiment pour nous aider. OK? Eh bien, écoutez, je crois que ce sera vraiment la solution. Ce sera la solution. Voilà. Bon, et puis, bah voilà, peut-être l'armée, hein, parce que de ce fait-là, il démissionnera ou j'en sais rien, hein, voilà. Et puis, bah, en attendant de revoter ou de trouver quelqu'un que le peuple, de retrouver quelqu'un en qui le peuple a confiance. Eh bien, ce sera l'armée, tout simplement. D'accord? Voilà. Je sais qu'on attend tous après les révélations. Je sais qu'on attend tous de savoir la vérité. Et je sais que nous, les youtubeurs complots, l'attendons encore plus que vous parce que on aimerait vous prouver qu'on avait raison, qu'on ne vous a pas raconté de charabia. Hein? Voilà. Ah, écoutez, ils ont peut-être un nouveau projet pour protéger ça, parce que encore beaucoup trop de monde sont dans le déni, d'accord? Moi, je garde confiance, je pense qu'un jour on saura la vérité, mais patience, et patience, et patience, et toujours de la patience. Alors, bon, on va prendre son mal en patience. On va continuer à faire les complots, voilà, et puis à essayer de vous protéger de la peur, à essayer de vous emmener dans le bon chemin, hein, voilà, on va faire de notre mieux, je pense, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais je pense que j'ai des collègues qui sont dans le même optique, que moi, et je l'espère vraiment, mais oui, je sais, voilà. Donc, bah écoutez, pour moi, ce sera vraiment la solution au problème, d'accord? Ça évitera ce qu'ils ne voulaient pas faire, là, comment ça s'appelle, le référendum, hein? Mais tant soit peu, ça en est un quand même, hein, puisque là, voilà, ce sera au peuple à revoter pour. Pour les législatives, hein, je crois, voilà. Donc, écoutez, pour moi, c'est une bonne solution, d'accord? Maintenant, il ne faut plus que la FRAUDE se reproduise, hein, bien entendu, d'accord? Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, de les mettre en dessous. Vous voulez que je fasse un tirage et tout, mettez en dessous. Faites quand même attention aux mots que vous écrivez parce que vous savez que ma chaîne est surveillée et que elle n'arrête pas d'être signalée et qu'on essaye de me la faire fermer. Donc faites bien attention à vos mots, mais voilà, si vous avez des
des questions qui vous trottent, voilà. Si vous voulez que je vous fasse un tirage sur un sujet, vous pouvez me le demander et je vous ferai ça dès que je peux. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle soirée, un beau dimanche et demain c'est de nouveau une nouvelle semaine qui recommence. Donc, eh bien, je vous souhaite un bon courage pour ceux qui reprennent le boulot demain. Bisous tout le monde et à bientôt.